Un truc, alors vous disiez que votre papa. Bon, monsieur Chaban-Delmas lui demandait tout le temps un tas de services, et le dernier service était d'aller chercher une division blindée cantonnée autour de Paris sans savoir où. Donc, oui. Avec son triporteur, nous n'avions pas d'essence pour les camions. Donc, avec son triporteur, il a trouvé une division blindée qui était cantonnée à la Croix-de-Berny. À la Croix-de-Berny. Et à la Croix-de-Berny, le capitaine Brown lui dit: j'ai pas d'en recevoir un civil. Et mon père dit: civil peut-être, mais démobilisé. Et il a téléphoné à Leclerc. Il a dit: qu'est-ce que vous foutez là? Vous suivez le Réunion. C'est mon père, le Réunion. Et mon père les a conduits depuis 14h à la Croix-de-Berny jusqu'à 21h22 à l'arrière, parce que papa savait qu'il y avait des Allemands cachés là, sur les toits. Oui. Donc ils sont arrivés par l'arrière. Mais ils ont mis depuis la Croix-de-Berny pour arriver ici par des petits chemins détournés partout. Il y avait des barricades, il y avait de tout. Ils étaient à pied certainement. Non, ils avaient 300 hommes drones avec ses chars. Il arrivait d'Espagne. Mais oui, donc il ne voulait pas suivre mon père. Il arrivait d'Espagne. Il avait très peur. Ah. Donc, mon père me dit: moi, je suis père de famille nombreuse, moi, je suis la dernière née, la quatrième en naissance. Je suis père de la famille nombreuse, je me mets en estafette avec mon triporteur. S'il y en a qui se fait tuer, c'est moi, vous me suivez à 30 mètres. Et dès que je lève mon drapeau, il avait qu'un drapeau canadien sur lui, le pauvre. Dès que je lève mon drapeau, vous stoppez les chars. Et puis, arrivé à la porte d'Italie, il y a une, je l'ai encore l'histoire, c'était une Alsacienne avec sa coiffe, une postière. Ouais. Elle est montée sur le commande car à drone. Il avait rabattu son pare-brise. Ils ont voulu la faire descendre, elle s'est cramponnée, elle a cassé le pare-brise, elle est restée. Alors, papa Javard, il dit: écoutez, comment vous appelez, madame? Elle dit: je l'ai avec vous à Paris, je m'appelle Jeanne. Tu sais qui ça s'appelle? Jeanne Borchère. Jeanne Blanchet? Oui, Borchère. Jeanne Borchère. Alors, papa dit: Jeanne, comme ma femme, c'est les meilleures. Alors, il dit: on la garde, c'est notre mascotte, on la garde. Donc, avec sa coiffe d'Alsacienne, elle est venue avec eux jusqu'à. Ils sont arrivés à l'arrière d'Hôtel de Ville par la rue Le Beau avec les chars. Oui. Pour libérer Paris, c'est jusqu'à 21h22, depuis 14h, Anthony. Vous imaginez le périple? Mais j'ai tout le chemin. Vous pouvez me remontrer encore la photo? Alors, je l'ai donné à Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, excusez-moi, elle lui demandait c'était le kill là. Alors, vous avez papa avec son triporteur et deux enfants, bon, c'est avant la guerre. J'ai tâché de reprendre en photo. Alors, ça sera bien. Vous voulez qu'on se revoie? Vous êtes à Paris? En tout cas, moi, c'est rien d'officiel. Hein. Non, c'est trop privé. Mais c'est parce qu'Arlette Piban, elle aime bien que je lui raconte tout ça. Elle veut savoir, Piban. Ah, mais vous serez sur le blog, hein, donc on va vous entendre. Hein, c'est vrai. Vous dire. Ah oui. Vous prenez et c'est aussi. Quoi comme blog? Je vous présente. J'ai pas d'internet. Le colonel qui est responsable, si vous voulez le prendre. Oui, si vous voulez, oui. Mais c'est quoi votre blog? Moi, j'ai pas d'internet, je suis âgé. Ah. J'ai pas tout ça. J'ai un mec avec qui j'ai eu un scandale, alors bon. C'est vrai. Vous savez pourquoi? C'est dans le premier, là. On va comprendre tout de suite. Donc, c'est un commando de l'air. C'est un commando de l'air. Ah non, c'est première PMA de Bayonne. Ah, première PMA, oui, c'est ça, c'était ça, le SAS. Parce que l'air. Et il y en a un parachutiste, et je fais pas attention. Et je vois. Pardon, je t'amène. Est-ce que vous voulez mon téléphone? Vous voulez en savoir davantage ou pas? Vous voulez en savoir davantage? Ce sera bien si je m'envole que je peux mettre quelque chose à écrire, parce que. Je peux tout préparer. Mais j'ai pas d'internet, mais ça c'est de trouver des. Vous avez le mail, vous avez tout là. Allez, merci. Et c'est quoi votre blog? Alors, ça ne vous connaît rien. Ah, le blog, c'est là. Ça veut dire quoi? Non, mais j'ai pas de Nelson, il y avait la guerre. On avait vu pour Nelson. Ça, c'est l'exemple. Je vais vous présenter. Peut-être vous le connaissez. Alors, vous prenez un mot. Expliquez pourquoi j'ai un problème avec vous. Comme il fait partie du MP, c'est toujours général de corps d'armée. Pigmal, qui est votre patron. Oui, il est toujours là, sauf qu'il ne se montre pas souvent. Il est malade. Et Béchy, il vient de temps à autre le 29 septembre, et puis il vient à l'autre truc national de vous, qui est le... Si, on va avoir notre journée là de Saint-Michel. Oui, le 29 septembre. Oui. Il y aura le repas de midi, le repas du soir. Oui. Là, et alors, j'avais un commando de l'air et puis je vois un parachutiste. J'ai dit: ça, c'est un parachutiste, un commando de l'air. Et j'avais pas vu qu'il y avait un parachutiste qui était là. Et vous en faites. Et ils vous ont pas rossé quand même. Non, mais je connais bien. Bon. Bon, alors, oui. Voilà, bon, merci. Ah oui, alors le monsieur, où est-ce qu'il est parti? Ah ben. Oui, j'ai pris pas mal de... Aujourd'hui, tu dis pas bonjour. Ah, j'ai vu tellement de personnes que bon. Demain, tu verrais à la mairie. Oui. Et là, je suis là. Salut.
Tu vas bien? Bonjour, oui. Tu bien? Bonjour. D'où est-ce qu'on s'est vu? Je crois que c'était à l'opéra, non? Ah non! Au fort de Vincennes, ah, oui. En train de photographier un par un. Ah, je suis de partout. Ah, depuis que je me suis libéré de mon drapeau, je me sens plus léger. Non, on n'arrête pas de m'engueuler avec mon drapeau. Voilà. Délayer quelqu'un d'autre.